Voilà un petit cours sur le bottleneck et l'accordage. Voilà. Donc, Philippe va nous expliquer de la corde la plus grave à la plus aiguë, l'accordage. Donc, on est en open de Ré. Ouais. On a donc Ré. Là. Ré. Fa dièse. Là. Et Ré. Alors, on va interpréter un classique, un standard du blues au bottleneck. C'est Little Red Rooster. Et explique les trois accords. Donc les trois accords du blues, l'accord A c'est le Ré majeur, l'accord 4 c'est le Sol, et l'accord 5 c'est le La, qui sont donc respectivement le Ré en open, le Sol sur la 5e frette, et le La sur la 7e frette, et en 12e dans l'octave du Ré. On va d'abord l'interpréter une fois et puis on donnera un peu de détails. Après, ok, on est parti. On a précisé que c'était un 12 mesures. C'est un 12 mesures standard. D'accord, donc c'est-à-dire qu'on joue 4 fois sur l'accord 1. 4 fois sur l'accord 1, 2 fois sur l'accord 4, 2 fois sur l'accord 1, 1 fois sur l'accord 5, 1 fois sur l'accord 4, 1 fois sur l'accord 1 et le turnaround. Verstein. Yeah. Yeah. On est parti. Donc ça commence par tout simplement, il va falloir que tu nous donnes chaque fois les accords. Hein. Sol. Sol. Fa. Sol majeur fatalement. Non, laisse, c'est bon. Sol. Fa. Ré. Et puis on prend l'octave en 12. Et on joue ça sur les 4 premières mesures. Le sol, il a tendance à se jouer sur les grosses cordes, le fa aussi, il y a ici aussi, et quand on reprend l'octave, il vaut mieux jouer sur les petites cordes. Tu me prends les mots de la bouche, c'est exactement ce que j'allais dire. Ben oui, parce que lui ne le sait pas, hein, tu vois. Grave, 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 aigu. Maintenant, sur la mesure numéro 5, oui. On passe en sol, c'est bien on ça? On passe en sol. Alors, pour on passer monte, en... On monte chromatiquement du fa. Il faut piquer trois fois, hein. Oui. Ah, il faut le préciser. Donc, on pique en 3, on pique en 4, et on pique en 5. Et pour mettre un effet sympa, ce serait bien de passer de 4 à 5 de façon slack. Et pas... Ça t'avait tendance toi, à être très carré. Oui, je sais comprendre ce que vous faisiez. Ben, il faut arrondir, tu vois. Donc je pique en 4 et je glisse vers 5. T'entends ? 3, 4. Je repique en 4 et je glisse vers 5. Et juste après la descente, je prends mon midi barré, c'est ma quinte de sol, tonique quinte, tout droit. Et je vais. Tu peux même prendre trois cordes, oui. Parce que tu auras tonique, quinte, tonique. Tout à fait. Moi, je trouve que ça fait beaucoup. C'est une question. Et s'il y a un dérapage, c'est pas un problème. Tout à fait. On peut même aller plus loin. On peut même tout. Toutes les cordes sont justes. Alors, bon, moi ici, vous avez remarqué, c'est juste par confort de jeu. J'ai mis le bottleneck sur le troisième doigt, alors que lui, il l'a mis sur le quatrième. Alors, c'est chacun son truc. Moi, ce qui se passe, c'est que j'ai plus facile d'aller chercher ma sixte sur le petit doigt.
Si je fais ça, je trouve que c'est inconfortable. Donc, quinte sixte, ça se passe comme ça. Quinte, tout droit, sixte. Le petit doigt sur la cinquième corde, en septième case. Okay. Et donc, tam, pam, tam, tam. Sur le quatrième temps, chaque fois une petite relance avec la montée chromatique, là, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. On retourne sur l'accord 1. La même chose, sauf qu'on passe sur l'accord 5, donc c'est-à-dire sur le La. Sur le La. On va monter chromatiquement du Sol. Ouais. Sol dièse. Sol dièse. La. Et puis là, on fait de nouveau ces quintes. 6. Attention maintenant, quand on retourne de 5 vers 4, on doit redescendre chromatiquement. Et on termine sur la dernière mesure, qui est la mesure du turnaround. Voilà, alors le turnaround, on monte d'abord, donc il y a une descente chromatique sur la cinquième corde, en troisième case, deuxième, première, et corde à vide. Mais à chaque fois, il faut rajouter deux cordes. Enfin, on n'est pas obligé, mais moi je préfère aller chercher chaque fois les deux premières cordes. C'est plus facile. Donc en fait, le truc c'est, tu vas au plus loin et tu fais un sweep sur deux cordes. Regarde. Ah oui, et on termine sur le La. Attention, c'est en montant dans le mi-tone la dièse vers La. C'est-à-dire qu'on monte avec le bottleneck jusqu'au La dièse. Jusqu'à la frette combien? Jusqu'à la frette 8, c'est ça? Jusqu'à la frette 8. Oui. 8, 7. Alors, on fait une dernière fois c'est avec pas, le... C'est pas... Tous les slides, il faut les amener comme ça, de toute façon. Tout ça. Il faut toujours aller, avant d'amener ton bottleneck à la place où tu as ton target, il faut aller chercher en aval, hein. Faut pas l'amener tout de suite dessus, hein. On le refait une dernière fois complet.